Parce que le préfet, on a un département qui part de zéro en termes d'altitude et qui arrive à près de 3000. Donc ça veut dire qu'on se retrouve confronté. Gibier d'eau, les perdreaux, les lièvres, le piémont avec les espèces spécifiques. Et on arrive jusqu'à l'Isard, jusqu'au Grand Tétras. Il y a peu de départements qui ont une aussi grande diversité. D'un côté, ça amène plus de possibilités pour le chasseur, mais de l'autre côté, ça amène plus de problèmes, disons, pour la fédération qui doit gérer toute cette diversité. Mais c'est bien. Le fonctionnement de la fédération, du fait de la complexité, notamment de la réglementation, des nouveaux textes qui arrivent régulièrement, de l'organisation même de la chasse dans le département, a fait que le conseil d'administration a décidé de travailler en pôle, donc en pôle technique, pôle biodiversité, pôle petit gibier, de façon à spécialiser certains de ses administrateurs sur des fonctions bien particulières et surtout bien connues par ses administrateurs. Les chasseurs, ce sont les premiers amoureux de la nature. C'est eux qui la respectent, c'est eux qui procurent tout cet équilibre. Ce sont les premiers écologistes, je le dis volontairement et d'une façon affirmée, parce que trop souvent, on leur a fait, dans une histoire récente, des procès indécents de ce point de vue-là. Oui, je souhaite, partout où je suis, que ce soit au Conseil général précédemment et maintenant à la région, aider l'action de l'ensemble des chasseurs. L'aider de là où je suis financièrement en tant que président de la région pour mener toute une série d'actions, mais également être vigilant au regard de l'avenir. Je n'admettrai jamais que la chasse populaire, celle que pratiquent les chasseurs d'ici, soit remise en cause. Elle est héritée de la Révolution française et elle doit demeurer. Et puis, je suis absolument contre, et je serai aux côtés des chasseurs, contre ceux qui veulent lutter pour la restriction, des restrictions de période de chasse, par exemple. On l'a vécu dans notre département des Pyrénées-Orientales ces temps-ci, le prolongement juste d'un mois pour la chasse à la palombe, à la grive ou à la bécasse. Eh bien, je suis du côté des chasseurs, qu'on ne vienne pas les embêter parce qu'ils veulent prolonger leur passion de quelques instants et qu'ils ne remettent rien en cause. C'est parce qu'il y a ces rivalités que d'autres ayatollahs de la chlorophylle voudraient triompher par rapport à la chasse. Je suis résolument du côté des chasseurs, parce qu'ils défendent la bonne et une très bonne cause. Depuis que la Fédération des chasseurs m'a fait l'honneur et la confiance de me confier ses intérêts, le rôle du cabinet de conseil a été utilisé. Nous avons répondu autant que nous avons pu le faire aux questions qui nous étaient posées. Vous savez qu'il existe des accords entre les ACA et la Fédération et que, à condition que la Fédération, par l'intermédiaire de Gilles Thibier, donne son accord. Vous pouvez téléphoner au cabinet et l'on vous répondra. L'examen du permis de chasser se déroule en deux étapes. Une partie théorique qui a lieu à la Fédération et une partie pratique qui a lieu ici à Bachasse, qui se passe par une formation pratique basée essentiellement sur la sécurité et un examen pratique. La Fédération est allée à Bachasse, qui nous permet maintenant de faire plus vite pour les chasseurs, d'avoir moins de déplacements et au bout du compte d'avoir divisé les prix par 4. C'est comme le permis de voiture, c'est simplement se permettre de pouvoir aller utiliser un outil qu'on n'a pas forcément l'occasion d'utiliser tous les jours, quoi. C'est aussi simple que ça. Depuis que l'examen du permis de chasser a été mis en place au niveau de la pratique, nous avons commencé par l'Hérault, nous déplacer dans l'Hérault. Nous avons eu après à nous déplacer dans l'Aude. Et là, depuis que nous sommes ici donc à Bachasse, nous avons pu réellement constater une augmentation d'inscription au permis de chasser. On a mis en place le guichet unique il y a quelques années. Aujourd'hui, le chasseur reçoit un document qui lui permet donc de sélectionner le type de permis qu'il souhaite. Il le joint avec un chèque et puis il a tout. Et c'est vrai que l'année dernière, nous avons eu un problème technique, mais qui n'est pas du ressort de la fédération. Ça a été un problème national. Des dispositions ont été prises pour que ça se renouvelle plus. Nous allons tout faire pour pouvoir distribuer en temps et en heure la validation aux chasseurs. Preuve en est, à partir du 11 juin, on va être en mesure de pouvoir valider les premiers permis de la saison, notamment à ceux qui font du tir d'été
et au lieutenant de Louveterie. Le chasseur a la possibilité de prendre directement à la fédération une assurance pour la saison de chasse. Nous avions une convention régionale depuis 3 ans avec une compagnie d'assurance qui a cette année rompu sa convention. Nous avons négocié des contrats pour chaque chasseur au même tarif. Ben, tout simplement, la fédération départementale de chasse souhaitait, je pense, à travers cet appel d'offres, avoir une offre tout à fait adaptée et spécifique qui prend bien évidemment en compte toutes les problématiques des chasseurs, mais également avoir une relation de proximité puisque je serai moi en fait l'interlocuteur et qui permettra de faire le relais avec Pascal Moïse, mon collègue de Val d'Avon. C'est le service plus qui est offert à l'ensemble des chasseurs. On a un camp, nous militaires, c'est une zone en théorie qui est interdite. Hein. Cette zone est une zone où, en fin de compte, les sangliers, les lapins, etc., peuvent se réfugier. Et c'est vrai que sur Opoul, en particulier, on est entouré par des propriétaires vignerons qui se sont plaints pendant très longtemps de tout ce qui pouvait être occasionné, je veux dire, par ce gibier-là. On a souhaité, je veux dire, pouvoir mettre en place un partenariat parce qu'il fallait impérativement que les relations soient apaisées. Après un an d'expérience, c'est un partenariat qui est extrêmement positif parce qu'il met en place une relation de confiance entre nous, militaires, hein, et la société des chasseurs. Nous avons un local à Tuire qui maintenant est devenu obsolète au vu que nous labourons moins. À l'époque, on s'en servait pour les tracteurs, mettre les tracteurs et tout l'outillage agricole dont on se servait. On va mettre ce local en vente. Si j'ai bonne souvenance, je crois qu'il est à la vente pour 240 000 euros. Le CPU est la mesure départementale de petit gibier qui a été votée à l'unanimité à l'Assemblée générale de l'année dernière. On est passé de précédemment 17 communes qui avaient créé une zone pilote à l'extension à l'ensemble du département, et ça, c'est une prouesse. Il y a toujours des grincheux dans le temps. Il y en a toujours qui vont tuer plus que ce qu'il faut. Mais après, si on veut aller loin dans le temps, il faut passer par ce système-là. Autrement, on ne va pas loin dans le temps. On arrive à mi-saison, tout le monde met le fusil au placard et on ne chasse plus. Que ce soit en matière d'aménagement de terrain, que ce soit en matière de gestion, de suivi et de dispositifs donc de contrôle des prélèvements, 17 AK ont mis en place donc carnet de prélèvement, bague adhésive, pour arriver l'an dernier à une mesure départementale donc sur le petit gibier et avec l'utilisation d'un carnet de prélèvement universel associé à des bagues. C'est le complément, ça. Tu en as récupéré beaucoup, tu as les... Ils sont traités. Tous traités. Mais par rapport au nombre de chasseurs, tu en as eu combien Sur 260, il doit en avoir encore 50 et quelques à rentrer. Ouais. Et pour ce qui est des CPU en perdreau, qu'est-ce que ça donne? Pour moi, il me semble que le prélèvement est moins important que les autres années. Ouais. Alors, de quoi ça vient, je ne sais pas. Mm-hmm. En lièvre aussi, c'est moins important. Ouais. En prélèvement, mais pourtant le gibier est lié, mais est-ce que le CPU a fait jouer des règles différentes? Là, je vois quand même qu'ils ont été correctement remplis, mais enfin, sur ton association, les gens aussi ont l'habitude, depuis quelques années, à remplir les carnets de prélèvement, etc. Donc c'est vrai qu'ils ont été correctement remplis. Par contre, en bécasse, très peu de prélèvements. On risque d'avoir quelques remises en cause, comme on les a eues pendant nos réunions de secteur. Et donc, on n'arrivera pas à avoir, bien sûr, une récolte à 100% des quêtes des CPU pour pouvoir en extraire la substantifique moelle et sortir un état précis de ce qui a été rencontré, prélevé, etc., etc. Mais c'est un premier pas, et je crois qu'un autre rôle de fédération, c'est de pousser. C'est la première année, c'est imparfait, c'est pas complet, mais c'est la première année et il faut aller vers le mieux. Ce qui est intéressant, c'est qu'il peut servir de carte de sociétaire. Et alors ensuite, ce qui est important, c'est qu'on trouve les territoires du chasseur en page 7. Donc il va venir ici noter son premier territoire et les suivants. Et chaque fois qu'il va prélever, il va devoir aller, bien sûr, au mois concerné, ce chasseur, donc, avec les rats en territoire 2. Et il a prélevé ce jour-là un lièvre de perdrix. Donc
également de lapin. Il a noté sur son carnet les premières lettres pour lièvre et pernerie, le numéro de la bague adhésive qui a été collée à la patte. Et on se reporte ici. On va voir que voilà, les bagues adhésives qui étaient prévues pour les perdrix ont été retirées, ont été collées à la patte des deux oiseaux. Le principe de ces bagues, donc, voilà, elles sont adhésives, elles sont décollées et collées à la patte des perdrix et des lièvres prélevés, donc là pour les perdrix. Donc on voit également qu'il a utilisé la bague pour le lièvre. La pratique a démontré que un dispositif de marquage, même si c'est vrai, c'est une contrainte, et il peut paraître un peu complexe au début, est indispensable pour un meilleur suivi sur le terrain et développer des règles de gestion efficaces. Cet hiver, la vague de froid qui a eu lieu en début du mois de février a eu des conséquences sur les oiseaux fréquentant la lagune. Dans ce cadre, il a été activé la cellule vague de froid. Alors qu'est-ce que c'est la cellule vague de froid ? C'est essentiellement de fournir à l'administration de tutelle des éléments objectifs sur l'état physiologique des populations d'oiseaux qui fréquentent les lagunes. Il faut savoir que les bécasses ne meurent pas de froid, mais meurent de faim. Donc à partir du moment où il y a un gel, il est évident qu'il va y avoir des comportements, des concentrations tout à fait anormales, parce que l'oiseau cherche bien évidemment en premier à se nourrir, se déplace peu parce qu'il y a une perte d'énergie dans la mesure où il doit lutter aussi contre le froid. Et à partir du moment où l'oiseau se concentre parce qu'il est obligé de vermiller, donc il ne va pas trouver sur un sol gelé, il ne va pas trouver à se nourrir. Alors éventuellement, le long des cours d'eau, la terre reste meuble et à partir de là, on peut se nourrir. Le préfet peut prendre des décisions pour interdire la chasse. Donc la position de la fédération ne résulte pas comme ça d'une simple observation. Elle est liée à un protocole bien déterminé qui fait que, après observation sur le terrain, je dois dire cette année, la fédération a été hyper présente dans le cadre du réseau Bécasse hein, sur les sorties nocturnes qui n'ont pas été évidentes. On avait des vents de 110 km/h, des oiseaux qui, bien évidemment, n'allaient pas se trouver en pleine nature malgré eux, et puis se trouver, on le savait, au bord de l'eau. Donc la fédération donne son avis, pas pour interdire la chasse, loin de là, hein, mais pour pouvoir au contraire continuer à chasser et éviter le dommage qui serait créé à une population bécassière qui va se retrouver au bord des cours d'eau. J'ai fait des photos en bordure d'autoroute, en bordure de route et dans des petits bois. C'est un affût pour le ramier au mois de mars. L'année dernière, on avait gratté, enfin la fédération avait gratté 9 jours. Cette année, on a quand même gratté par son travail 21. Il y a que du positif. Si vous voulez, le préfet a pris un arrêté. Le Gord l'a attaqué. Ils disent que, par exemple, pour le pigeon, eh bien, il doit être détruit où il y a des dégâts. Alors que dans le département, évidemment, si nous n'avons pas des informations de la part des piégeurs et des chasseurs ou autres, ou des propriétaires pour les dégâts qu'ils peuvent causer, ben on est embêté pour défendre le dossier. Je pense que cette année, ils veulent faire des reprises avec des bagages pour le suivi des palombes qu'elles partent après mois de septembre, octobre, et peut-être dans quelques années avoir des données encore plus sûres qui puissent nous assurer donc un combat contre nos détracteurs, on va dire. Il passe dans le département, mais il est tiré ailleurs. Alors pourquoi ne pas le tirer ici pour qu'il ne fasse pas de dégâts ailleurs ? Nous étions là sur une friche, une lande, où il y avait des ronces, il y avait des branches, il y avait quelque chose d'affreux à la vue et des risques incendie énormes. La fédération a giroboyé l'ensemble, a labouré, a ensemencé avec l'appui des écoles, de manière à ce que les lapins puissent se réfugier dans des secteurs plus fermés, dans lesquels nous les reprenons pour les déplacer afin qu'il n'y ait pas de concentration. Là, on se trouve face à une boîte tombante, dite une mue. Le lapin arrive en fait dans n'importe quel sens, à droite ou à gauche, et va chercher l'appât. Il vient appuyer sur la palette comme s'il venait manger la pomme et désenclenche le système, et voilà. Après, nous les déplaçons et nous les mettons sur des territoires où il n'y a pas de culture à risque,
et pour permettre aux chasseurs de pratiquer leur sport. Les chasseurs, à travers leur fédération, sont à l'évidence les premiers protecteurs de notre patrimoine. Et donc, lorsqu'on s'est posé à Perpignan Méditerranée, le problème de la mise en valeur d'un certain nombre de friches agricoles, évidemment, on a tout de suite pensé à discuter avec la Fédération des chasseurs qui avait un double intérêt. Elle venait planter, et à partir de là, c'était aussi le repeuplement, je n'ai pas compris, les perdreaux, etc., enfin toutes sortes d'oiseaux très intéressants. Et donc on travaillait sur les deux registres et on le développera dans le territoire de Perpignan Méditerranée. Et pour moi, c'était très important, cette convention. D'abord, parce que concrètement, ça nous aidait à maîtriser l'évolution de notre environnement, mais en même temps, ça illustrait le vrai rôle des chasseurs dans une société. La mission des chasseurs n'est pas simplement de chasser, c'est aussi de transmettre des valeurs de respect de l'environnement, de respect de notre territoire, de notre terroir, mais aussi des valeurs tout simplement humaines, de vie en collectivité, et chacun a des règles, chacun a son poste. Et amener les enfants, c'était leur parler environnement, c'était leur parler biodiversité, mais c'était aussi donner une bonne image des chasseurs qui a parfois été massacré par certains médias ou même par certains partis politiques. La commune de Cals, donc, c'est de la culture, au niveau culture, c'est des vignes, du vignoble, et il se trouve qu'il y a pas mal de personnes qui arrêtent la vigne. Et ces personnes-là n'ont bien sûr pas de repreneurs. Donc ils sont venus nous voir en nous disant « Bon, on a les terres et on ne voudrait pas que ces terres deviennent des friches. » Et donc la CCA a repris ces terres-là pour les aménager, pour l'accueil et le maintien de la faune. Ce que font les chasseurs dans le cadre de l'aménagement du territoire, si on devait le faire, le financer par du personnel en direct, ça nous coûterait bien, bien plus cher. Quand je dis nous, j'entends l'ensemble des collectivités publiques, État compris. Mais je pense qu'on est les principaux aménageurs du territoire, puisque à l'heure actuelle, je pense, je vois sur la commune de Cals, tous ces efforts sont faits par les chasseurs, en collaboration bien sûr avec les propriétaires du monde rural. Et on arrive donc à travailler en symbiose les uns les autres, puisqu'au départ, il y avait quelques personnes qui étaient réticentes, les chasseurs, et quand on leur a montré ce dont on était capable sur le terrain, ils se sont alliés à notre cause. Le Cidéton recueille 50 000 tonnes de déchets verts par an. Ces 50 000 tonnes sont broyées, sont ensuite mis en andain, ils sont criblés et on obtient un compost 100% végétal de très bonne qualité que nous distribuons notamment pour la culture bio. On pourrait les proposer gratuitement à la Fédération de la chasse pour enrichir les sols des associations de chasse. Ça permettrait aux chasseurs d'avoir un meilleur rendement sur leurs parcelles. Et nous, ça nous permettrait d'écouler le compost. Donc vous voyez, ce sont toutes des actions de partenariat qui sont extrêmement intéressantes, aussi bien pour la chasse que pour le Cidéton. Quand on parle de synergétique, ça paraît être un gros mot, mais en même temps, on est dans quelque chose de bien plus organisé, j'ai envie de dire pratiquement professionnel, alors que quelque part c'est quand même un loisir. Et on a vu en communication toutes ces prairies fleuries par les chasseurs qui sont tout à fait intéressantes et importantes pour nous et pour le grand public. Et bien évidemment, toute cette partie d'éducation à l'environnement qui est intéressante aussi. Au plus près des associations de chasse, on est là aussi pour les aider dans leur fonctionnement au quotidien, mais surtout dans la mise en œuvre des maisons de la chasse. Ça a été mis en œuvre à partir de 2008, donc avec mon prédécesseur Christian Bourquin. Et j'étais en délégation, donc j'ai suivi le dossier de près. Et on continue, je continue cette fois en tant que présidente du Conseil Général aux côtés des chasseurs, et tout simplement parce qu'on est dans... finalement, la préservation de l'environnement, et ça fait partie des éléments, par contre, dont le Conseil Général a la compétence. La région Languedoc-Roussillon, 33% de son territoire est en Natura 2000.
C'est une des plus importantes de France, pour ne pas dire la plus importante. Le département, à peu près pareil, on est entre 28 et 30. Donc, ça veut dire beaucoup de documents d'objectifs à rédiger, à travailler avec les commissions qui sont chargées de ça. C'est très lourd. Et surtout, il faut être présent, avoir une vigilance de tous les moments, parce que une seule phrase peut anéantir des bagarres. Il suffit de paillettes et on vous met une phrase qui est ensuite retenue. Et vous vous retrouvez avec interdiction de ceci, interdiction de cela. On sent vraiment depuis 2 ans que l'étau se resserre. Tout d'abord avec la condamnation par l'Europe de la France pour l'article du Code de l'environnement qui précisait que la chasse et la pêche n'étaient pas des activités perturbantes dans les sites Natura 2000. La France a dû changer ce texte-là. Elle a mis quelque chose de très général qui ne précise pas que la chasse et la pêche sont des activités dérangeantes, mais quand même, ça ne précise pas le contraire. On est là-dessus en espérant que notre travail, je répète, lourd, se soldera par la possibilité quand même à travers en plus la biodiversité et autres, d'intervenir dans tous les secteurs quand ça se justifie. Un autre point important pour tous les utilisateurs qui sont sur ces sites Natura 2000, c'est la mise en place des évaluations d'incidence qui vont concerner une partie de leur pratique. Nous, à la Fédération, on veille à ce que la chasse ne soit pas concernée par ces documents. Il y a quand même des actions de terrain qui sont réalisées dans le cadre de Natura 2000, et les chasseurs en sont partie prenante. L'ACA avec le parc naturel régional des Pyrénées catalanes ont mis en place un brûlage dirigé pour des actions en faveur de la perdrix grise. Les aménagements qu'on peut faire en faveur de cet oiseau consistent à réouvrir ce milieu, à faire de la réouverture de milieu. Et donc ça peut se faire dans la montagne de deux façons. Soit c'est accessible aux engins motorisés et on peut faire du gyrobroyage. Et quand les zones sont trop accidentées ou trop pentues, parce qu'il y a des blocs en montagne, des falaises et tout ça, bon, on fait du brûlage dirigé. Un autre site où les chasseurs sont partie prenante, la ZPS Basse-Corbière, où on vient d'obtenir les possibilités de mettre en place des garennes pour favoriser les populations de lapins, qui sont des ressources alimentaires pour des espèces de rapaces qui ont un intérêt européen. Il faut savoir que le département des Pyrénées-Orientales est le département français où il y a le plus de réserves naturelles. On a 11 réserves naturelles dans le département, chose assez exceptionnelle. Si pendant les premières années de l'existence de ces réserves naturelles, tout s'est bien passé, ça s'est un peu compliqué par la suite, dans la mesure où les gestionnaires des réserves naturelles ont grignoté petit à petit sur ce qu'étaient nos attributions en matière cynégétique. Cette année, au cours d'un plan de chasse demandé sur le grand tétras, on avait demandé 4 coques à prélever. On nous en a accordé que 3. Bon, le quatrième nous a été refusé sur le critère qu'il était dans une réserve naturelle. Alors effectivement, comme c'est une espèce emblématique, c'est une espèce qui fait l'objet de beaucoup d'attention de la part des pouvoirs publics, il y a différents enjeux qui se confrontent au niveau de la conservation de l'espèce. Le département des Pyrénées-Orientales a été un département, et la fédération en particulier a été un département précurseur en termes de gestion de cette espèce. Jusqu'à présent, il y a eu un compromis relativement satisfaisant entre les intérêts de la conservation et les intérêts d'une exploitation raisonnable. Bien sûr, on va se battre pour essayer de maintenir cette possibilité de chasse, parce qu'il faut quand même se rappeler qu'à l'origine de la création des réserves naturelles, pour le département, la fédération était partie prenante. Et une des conditions justement de la création de ces réserves, c'était que la chasse ne soit pas remise en cause, quelle que soit l'espèce. Nous, ce qu'on souhaite, c'est qu'il n'y ait pas de systématisme, ou alors s'il l'est, mais qu'il soit dans un sens comme dans l'autre. On n'a pas le bon coefficient, on ne chasse pas. On a le bon coefficient, on peut prélever. Jusqu'à présent, il y a un bon investissement donc des chasseurs et de la Fédération départementale des chasseurs dans toutes les opérations d'amélioration des habitats. La plupart des câbles de remontée mécanique qui étaient meurtriers pour le grand tétras, la perdrix grise et les lagopèdes ont été équipés ou vont l'être très prochainement par les stations. D'autres actions ont été mises en place, des ouvertures de milieu pour le grand tétras et la perdrix grise. Ça va permettre d'améliorer l'habitat du grand tétras qui était envahi par le rhododendron.
C'est une espèce qui est suivie effectivement dans le cadre de l'Observatoire des Galliformes de montagne, qui est une association, un groupement d'intérêts scientifiques qui réunit un certain nombre de partenaires. Dans le département, il y a la Fédération départementale des chasseurs. Bien, la CADEYO s'est investie dans la gestion du grand tétra depuis qu'elle a été choisie comme l'une des ACA témoins de l'effort effectué par la Fédération pour la sauvegarde du tétra et dans le cadre de Galipir. Le lagopède alpin, c'est la deuxième espèce de tétra que nous avons dans le département. C'est une espèce qui pose moins de problèmes sur le plan des conflits d'usage ou des conflits de conservation parce que depuis son inscription au plan de chasse en 1990 ou 93, l'espèce n'est plus chassée, c'est-à-dire les attributions sont nulles. Il n'y a pas d'attribution au niveau département, ce qui montre une fois de plus la bonne volonté quand même de la Fédération départementale des chasseurs au niveau de la conservation de ces espèces. De la même façon qu'on organise des comptages grand tétra au chêne d'araignée, on organise en été des comptages de perles grises au chêne d'araignée sur secteur échantillon pour évaluer la réussite de la reproduction. Si on veut chasser une espèce, il faut la gérer et il faut bien que cette espèce soit présente sur le milieu, sinon, à un moment donné, si elle est absente, on ne peut plus la chasser. Concernant le grand gibier, ces populations sont importantes, mais diffèrent selon le massif. Nous avons 5 belles populations de mouflons réparties sur l'ensemble du département, hein, ce qui n'était pas sans poser problème d'ailleurs sur certains massifs et de concurrence avec notamment l'élevage. Le massif du Madre, je pense, la population est trop importante et la Fédération s'efforce depuis une paire d'années à faire diminuer cette population car il y a concurrence avec les animaux domestiques, surtout en période d'hiver. Pour la saison prochaine sur le massif du Madre, le plan de chasse a été reconduit, il est même en légère augmentation pour une dizaine d'unités supplémentaires. Pour les autres massifs, que ce soit sur le massif du Carlite, sur le massif du Trézestel, en Val-Espire ou en Fenouillède, là aussi les plans de chasse seront en augmentation cette année. Et pour l'ensemble des massifs, on prélève l'accroissement de la population. Donc l'idée vraiment, c'est de stabiliser les populations, voire même de les faire diminuer quand c'est nécessaire. Les ACCA avec la Fédération se sont réunis et ont mis en place une diminution de 40% concernant le mouflon, 40-50% avec les réunions qu'on a eues avec les agriculteurs pour faire diminuer cette population. Suite au comptage pour lequel on avait entre 600 et 700 mouflons dénombrés sur ce massif, on a doublé le plan de chasse l'an dernier. Et rien que sur ce massif-là, 300 mouflons ont été attribués en plan de chasse. On organise des comptages isards et les massifs qu'on prévoit de compter donc, sont les massifs de la Carança, Carança-Cambodaz, Puigmal, Trézestel, le massif du Carlite sur lequel on est et puis le massif du Madre. On s'est fixé un maximum de 700 isards à atteindre sur le massif du Madre et à ce moment-là, on prélèvera l'accroissement de la population, c'est-à-dire 15%. En revanche, le seul massif qui restera fermé, c'est le massif du Cancardos, puisque là, suite au problème de pestivirose qu'on avait enregistré en 2005, mais la population ne s'est toujours pas relevée. Et on a toujours moins de 100 isards dénombrés sur ce massif. Donc, pas de possibilité de plan de chasse. À l'époque, on dénombrait plus de 400 isards. Un sanglier, ce n'est pas un cochon. Il y a des termes pour nommer un sanglier. Il y a des tiersans, il y a des quartenaires, il y a des grands vieux sangliers, il y a des laits, il y a des marcassins, il y a des bêtes rousses. Il y a plein de dénominations. Donc c'est un animal qui mérite amplement notre respect. Au travers de ce plan de gestion départemental sanglier qui a été mis en place donc il y a 3 ans, était prévue la gestion du sanglier non plus à l'échelle de canton ou autre comme ça pouvait se passer à l'époque, mais à l'échelle plutôt d'unités de gestion. On peut aller sur le terrain, unité de gestion, après unité de gestion, et là on a des réunions au plus près donc, du terrain avec les responsables cynégétiques, et à ce moment-là on décide de ce qu'il faut faire, s'il faut faire un effort sur les prélèvements, s'il faut faire un effort également sur les dégâts. On discute également des propositions d'ouverture de la chasse et de fermeture. Et ça, c'est important qu'il y ait ce rapport étroit entre les chasseurs et la fédération par l'intermédiaire justement de ces unités de gestion. On tient chaque année des réunions à mi-saison et à fin de saison de chasse.
Donc récemment, la semaine dernière, ces réunions se sont tenues sur l'ensemble du département pour faire le point à mi-saison des prélèvements et des dégâts par unité. On participait à ces réunions, comme chaque année, bien sûr, les équipes de battue concernées, mais aussi les représentants du monde agricole. Et donc, à l'issue de ces réunions, ont été faites donc, les propositions de date d'ouverture et de fermeture pour cette espèce. Dans les unités de gestion, on a des remontées, notamment sur ces secteurs limitrophes, c'est-à-dire qu'il y a des communes dans les PO qui sont limitrophes avec, par exemple, l'Espagne. On sait que les Espagnols ont des dates de fermeture qui sont autres que les nôtres, et ça pose des problèmes. Donc là, on va essayer d'ouvrir le dialogue avec ces instances espagnoles. On est sur un taux de prélèvement qui est en légère diminution, moins 5% par rapport à la saison précédente. Donc encore, nos populations de sangliers ont continué à diminuer légèrement. L'idée pour nous, c'est d'arriver à les stabiliser en termes de prélèvement à ce chiffre-là sur l'ensemble du département, tout en veillant quand même à gérer les points noirs qui nous restent encore en termes de dégâts. Et pour lesquels il va falloir qu'on mette en place des choses, notamment avec le monde agricole, au travers de beaucoup de concertations pour éviter d'avoir des dossiers et un coût élevé de ces dégâts. Je suis à la FEDE pour aider les présidents d'ACA sur la prévention des dégâts de sangliers et du grand gibier, aussi ça peut être le cervidé ou le chevreuil. La fédération fournit du matériel en prévention aux agriculteurs pour prévenir de ces dégâts au niveau clôture électrique, avec des prêts de batterie, ou à aider au président d'ACA à acheter des filets électrifiés à commander chez un fournisseur. Si on ne peut pas intervenir sur une clôture électrique ou une protection, on va intervenir avec des dossiers de dégâts et ça, on nommera un expert pour monter le dossier et déterminer vraiment la somme de l'expertise. Ici, on est en pleine montagne, on est sur des prairies. Il y a, à ma droite, là, il y a une prairie qui est touchée par des sangliers. Ils ont retourné la prairie, d'où ça provoque un dégât ensuite pour l'agriculteur par rapport à la fauche où il va intervenir. Mon poste sert surtout à faire une médiation entre les chasseurs et les agriculteurs et à trouver un juste milieu pour que tout le monde s'entende très bien au niveau de leur territoire. Toutes ces mesures qui ont été complémentaires à la chasse en battue, toutes ces mesures complémentaires, on les maîtrise. Alors que si on nous classe le sanglier nuisible par le fait du plan national de maîtrise du sanglier qui est sorti en 2009, on ne maîtrisera plus rien. Et il faut savoir qu'à ce niveau, la chasse commence le 1er juin pour se terminer le 31 mars. Qu'est-ce qui va rester? Le mois d'avril, le mois de mai? Qu'est-ce qui restera sur le terrain? La battue, c'est un outil essentiel au niveau d'une commune. Ça prélève les sangliers ou le grand gibier cervidé ou chevreuil et ça réduit la population de gibier. Pour la saison écoulée, on a attribué un peu plus de 1400 cerfs et biches. Bon, globalement, la population est plutôt en phase de développement, même si on a des populations très différentes donc d'un massif à l'autre, avec des objectifs parfois d'augmentation et parfois de stabilité parce qu'on est confronté à des effectifs importants. On vient cette année de mettre en place des nouveaux circuits de dénombrement nocturne sur le fenouillède, sur une nouvelle population qui est en train de se développer pour mieux estimer les densités. Pour ce qui est de ce cervidé, donc le chevreuil, pour la saison écoulée, on a attribué un peu plus de 2000 chevreuils. Les difficultés qu'on rencontre, c'est une espèce pour laquelle on ne peut pas mettre en place de dénombrement. Donc c'est les observations des chasseurs qui permettent de cibler l'évolution de la population. Globalement, on est sur une population à l'échelle du département plutôt à la stabilité. Même si certains secteurs, on observe des populations plus dynamiques, on peut estimer la population de chevreuil à certainement proche de 5 à 6 000 pour le département. Pas de problème sanitaire. Et donc, les demandes de plans de chasse sont en cours. Mais on peut penser donc qu'on sera, une fois de plus, plutôt à la stabilité sur la saison qui vient. On a ce potentiel gibier dans le département et il nous est venu l'idée, comme dans notre département et dans d'autres fédérations de France, donc, de créer cette plateforme de valorisation de la venaison. Nous avons le produit à distribuer et puis ça permet aux ACA et aux AICA qui le souhaitent donc, d'en retirer un revenu dont ils ont besoin aujourd'hui, ne serait-ce que pour payer des plans de chasse ou même pour louer leur terrain à l'Office national des forêts. Ce que nous avons voulu,
c'est au travers de différentes conventions sécuriser ses pratiques. Donc il y aura une charte qui sera signée par toutes les parties et permettant donc au président d'ACA de se dégager de toute responsabilité au travers de la signature de ces chartes. C'est la création d'une filière, ça nous permettra donc d'une aux ACCA de continuer à chasser de manière habituelle et à la fin de pouvoir trouver des financements et également de faire découvrir un peu notre terroir au travers de la venaison. Benjamin Calmont donc suit cette mise en place de la plateforme. Il a également créé le site qui va nous permettre de la faire fonctionner. Et c'est lui qui sera l'interlocuteur de tous les présidents d'ACA, de toutes les ACA qui souhaiteront donc adhérer à cette convention avec la fédération et dans le cadre de la plateforme. On se retrouve dans le département donc avec des secteurs où il y a de forts taux de prélèvement de sangliers, de forts taux de prélèvement de cerfs et de biches. Et la gestion de ces déchets pose un problème. Il est envisagé plusieurs types de traitements. Bon, par exemple, les fosses creusées, les fosses hors sol bétonnées et étanches. Actuellement, sur le département, trois sites sont concernés. Il y a le site de Vira-Fosse. Ensuite, il y a deux sites expérimentaux qui viennent de voir le jour, donc un sur la Bastide et un sur le Cap-Cyr. Il y a trois fosses et elles serviront pour plusieurs années. Alors, on mettra des déchets, que ce soit de cerfs ou de sangliers, bon, ça va être clôturé, ça va être bien signalé parce que bon, on ne veut pas qu'il y ait des déchets un peu partout. Et ça, c'est en montagne, c'est la première. C'est là qu'il va être un peu pilote, donc un peu test pour savoir ce qui se passe. Alors, il faut savoir que selon le site géographique choisi, la mise en place de ces fosses sera plus ou moins complexe. Mais l'avantage de ces fosses en béton étanche, c'est qu'il n'y aurait pas de pollution des nappes phréatiques. Donc sur le plan environnemental, ce serait une excellente réalisation et il y aurait aussi un coût minimum pour les populations de ce département puisque ces déchets n'arriveraient plus à l'usine d'incinération qui est derrière moi. Alors on attend la nuit parce que nous allons effectuer des tirs de régulation de renards sur le secteur 2 avec un collègue de la circonscription d'à côté, Eric Farrero, suite à l'arrêté préfectoral que nous a donné le préfet pour faire cette régulation d'animaux nuisibles. Ah, on peut le tirer de jour, mais bon, c'est beaucoup plus difficile et plus aléatoire, alors que de nuit, bon, comme ils sortent pour chercher leur pitance, c'est plus facile de les coincer. La Fédération des PO nous aide financièrement, donc avec qui nous avons de très bons rapports. Et c'est vrai que souvent nous sommes un lien entre le monde agricole et la chasse, qui bon, n'ont pas toujours les mêmes intérêts à défendre. Il faut que chacun respecte l'autre. Et que bon, mais les chasseurs doivent respecter le travail des agriculteurs et les agriculteurs doivent comprendre que aussi les chasseurs, bon, même s'ils aiment bien qu'il y ait du gibier, il faut que ça soit supportable pour le monde agricole. Et tout d'abord, l'arrêté des nuisibles est pris par la commission départementale, mais ce qui se passe, c'est qu'on a beaucoup d'arrêtés de nuisibles qui sont attaqués par les tribunaux. Nous n'avons pas suffisamment de données de la part des piégeurs et des chasseurs. C'était important parce que pour se défendre, il faut un dossier complet avec des informations valables. Ces dernières années, il n'y avait pas beaucoup de renards, mais là, de nouveau, il y a une augmentation du renard qui est très importante. Et dans quelques années, il peut poser des problèmes de nouveau, comme il en a eu posé il y a quelques années. L'eau devient un bien précieux, mais malheureusement, Kyo dit également canaux, dit également autoroute pour les ragondins, et bon, automatiquement, si ces animaux explosent, c'est le risque majeur des à très court terme, des 2-3 ans à venir. Je ne prévois pas une invasion,
mais vraiment des gros problèmes. Si les gens ne prennent pas la mesure du problème, demain, les Ragonnais seront plus que dans Perpignan. Et alors, ça veut dire problème sanitaire, ça veut dire beaucoup, beaucoup d'autres problèmes. On est obligé de constituer des dossiers, mais qui nous permettent d'avoir des subsides pour faire face à toutes ces dépenses que sont obligés de supporter tous ceux qui participent à ces opérations. Nous sommes bien sûr aidés financièrement, comme d'ailleurs toutes les associations de chasse spécialisées, mais en même temps, nous formons un véritable binôme, un partenariat très très soudé, parce que nous avons des missions communes, la formation de tous les nouveaux piégeurs agréés dans le département des Pyrénées-Orientales. Nous intervenons sur des lieux où nous avons besoin d'intervenir, où nous sommes mandatés par des particuliers qui se sentent débordés ou par des institutions. Dernièrement, on a eu l'exemple d'une portée de blaireaux qui s'était installée sous une tombe du cimetière de Prades. C'est souvent la fédération, par le biais de la fédération, que les présidents des ACA ou même les particuliers appellent la fédération en disant « voilà, nous avons un souci avec un renard, un souci avec un blaireau, comment faire ?» Et là, la fédération les oriente ou vers les piégeurs, c'est possible aussi, mais pas pour le blaireau. Alors pour le blaireau, la seule solution, on appelle M. Adelineau, et qui est maître d'équipage et qui vient avec son équipage essayer de déterrer le blaireau. Depuis 3 ans, je fais face à des problèmes avec 3 procédures judiciaires. Les problèmes sont essentiellement dus aux dégâts de lapins sur les vignes. Les lapins se situent essentiellement dans la bande des 150 mètres, donc interdites à la chasse. Les seuls moyens que nous avons, ce sont les reprises, les battues. On a installé 250 mètres de filets électriques. Apparemment, les lapins sont en diminution. Comme chacun sait, il faut énormément de temps pour résoudre ce problème. Et effectivement, tous les acteurs devraient se réunir autour d'une table pour en discuter, puisque je ne suis pas le seul concerné, les propriétaires sont concernés. Certaines institutions, genre Conseil Général, les communes, les autoroutes du sud de la France, qui ont le passage de l'autoroute sur mon territoire, et depuis peu la ligne TGV, donc la SNCF. Certains propriétaires ne jouent pas vraiment le jeu, puisque leurs terrains ne sont pas entretenus. Mon rôle à moi, c'est de développer le relationnel auprès de tous ces acteurs, de manière à pouvoir rentrer sur leurs propriétés, qui sont en général des propriétés privées, et pouvoir prendre des reprises. Et je pense que les gens s'aperçoivent que le travail des chasseurs a porté quand même quelque part ses fruits. Bon, la fédération des départementales est consciente de l'investissement qui est demandé à tous les présidents et au conseil d'administration dans la gestion des ACCA, parce que c'est du bénévolat. On a déjà mis en place une procédure simplifiée qui permet aux ACCA de ne plus avoir plusieurs interlocuteurs. Dorénavant, les ACCA passent par le canal de la fédération pour tout ce qui est procédure administrative et de gestion. On met en place prochainement une application sous Excel qui permettra de gérer plus efficacement et plus rapidement la gestion comptable et administrative des ACCA. Alors cette loi chasse, elle conforte les fédérations dans leur rôle d'intérêt public. Il y a également d'autres dispositions que nous développerons au courant de l'année dans des formations adaptées aux ACCA. Le législateur a réglé le problème des bricoparcelles. Alors ça, c'est encore en voie d'étude, et dès que les décrets d'application seront pris, nous pourrons développer ces éléments aux ACCA. La formation, c'est quelque chose de très important. Le plan formation de la fédération est immense. On vient de parler des ACA. L'an dernier, on a mené une campagne de formation à destination des ACA pour réinjecter les bonnes conduites, les bonnes pratiques en termes de gestion d'une ACA. On a des formations concernant le permis de chasser, on a des formations pour les piégeurs, on met en place des formations pour le tir à l'arc. Enfin, on a tout un panel de formations qui est offert aux chasseurs, et je crois que c'est important de pouvoir faire continuer la fédération et accompagner les chasseurs au travers d'une formation. Par rapport au site internet, on vient de mettre en place une nouvelle version du site qui est un petit peu améliorée et qui permet une meilleure visibilité des actualités. Pour l'année prochaine, de nouvelles fonctionnalités vont être rajoutées, et notamment une fonctionnalité qui va nous permettre de saisir en ligne directement les plans de chasse, donc de se connecter à travers de notre site internet au logiciel plan de chasse que l'on utilise depuis 2 ans.
On a mis en place il y a deux ans aujourd'hui, un site internet parce que aujourd'hui on ne peut pas admettre de communiquer avec le monde extérieur sans utiliser les outils d'aujourd'hui. L'intérêt pour le détenteur du plan de chasse de saisir directement en ligne, c'est d'avoir une vision globale de ce qu'ils auront prélevé et dans la durée. Tous ces moyens, il faut les utiliser, et plus on arrivera à se faire reconnaître, plus on arrivera à se faire reconnaître du grand public, mieux les chasseurs seront considérés par ce grand public. On a eu au 1er avril de cette année le départ de Philippe Marc, qui était le comptable de la fédération. Nous avons procédé à l'embauche de Sandra Vicini, qui est une personne très expérimentée, de nombreux diplômes comptables. Elle a été embauchée en remplacement de Philippe Marc à 70% de son temps. En termes de mouvement, on a eu le départ de Bruno Bousquet. Précisément, je travaille sur la prévention des dégâts. J'ai participé à la mise en œuvre de Memento, regroupant un ensemble de méthodes qui permettent de mieux œuvrer à la prévention des dégâts. J'ai fait mon stage de Master 2 comme Paul à la Fédération et ils ont voulu que je poursuive ce que j'ai fait dans le cadre du service civique. Je travaille dans l'aménagement du territoire. On m'a demandé de faire un cahier technique rassemblant toutes les méthodes, giroupaillage, culture fleurie, pour que les AK aient une base sur laquelle s'appuyer, parce que beaucoup ne connaissent pas, ne savent pas faire. Et donc du coup, ce serait une base à destination des chasseurs pour réaliser ces aménagements-là. L'année 2011 a été une année correcte, disons, dans la plupart des activités cynégétiques. Bon, espérons que 2012, qui a commencé, apportera son lot. Hein, mais notre souci, à travers, c'est d'être présent dans l'actualité départementale, régionale et même nationale. Et c'est lourd, mais je crois qu'il faut y être. Thank you.